Du lycée agricole de Doneva, et donc vous avez en bas, tout à fait en bas, l'abattoir des poules. Voilà, un petit peu plus loin se trouve la parcelle pédagogique de maraîchage pour les classes de CAP agricole. Ben, ici en premier plan, vous avez champ de vanille fait par les quatrièmes. Et au-dessus, la serre de Doneva. Et vous avez derrière, au fond, Monsieur Weta avec la classe de... Seconde PVAE, production végétale agroéquipement, durant une séance de TP, conduite de tracteur. Donc vous avez ici devant vous le verger des laitiers du lycée agricole de Doneva, qui est donc conduit selon les normes de l'agriculture biologique. Ok, ben, je m'appelle Boiré Bernard, je fais partie de la première promotion à Doneva de 83 à 85. Et puis ensuite de ça, je suis parti en Australie pendant un an et demi, dans les premiers échanges entre le gouvernement australien et le gouvernement calédonien. Je me suis lancé, après j'ai fait 10 ans de reboisement sur mine. Là, je me suis lancé en agriculture, ça fait 3 ans. Les cultures que je fais en ce moment, c'est j'ai au moins 750 pieds de taro. Peut-être les maniocs, peut-être ça doit tourner à 400 pieds ou 500 pieds. Sinon, bon, les cultures traditionnelles, dans les champs d'igname au-dessus sur Billon. Un peu de cochon, ouais, j'ai fait un peu d'élevage. Puis les fleurs. On fait un peu de fleurs, on fait un peu de tout. Je m'appelle Nadia Eyo. Donc j'étais élève à Doneva, j'ai fait les 3 années de CAP et ensuite j'ai fait les 2 années de BP agricole. Et ensuite en 91, je suis partie au mois de septembre en France pour entamer 2 années de BTS. Je suis devenue élue politique en 2004 à la province Nord. Et donc là, 2009 à 2014, là je suis là, donc là pour cette mandature là, je fais et la province, je suis élue à la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Si bah, aujourd'hui je suis là, bah, je peux dire hein, que le fait de s'affirmer, de prendre des responsabilités, c'est un peu le résultat hein, un peu de mon éducation à l'école de Doneva, parce que j'ai pratiquement fait toute ma jeunesse là-bas. Donc j'ai reçu toute une éducation aussi bien intellectuelle, religieuse et civile. Donc, le respect de l'un et de l'autre, d'aimer les uns les autres et puis surtout le côté relationnel. Donc. Voilà, bonjour, je m'appelle Georges Thieya. Je suis originaire du Vanuatu sur l'île de Santo. J'ai passé mon BEP ici et mon PACPO. Et après le PACPO, c'est là où j'ai obtenu mon BDS. Et à peu près le BDS, ben voilà, actuellement je travaille pour l'association Bio-Calédonien. Donc en tant qu'animateur province Nord, je fais de la certification bio. À Doneva, j'ai beaucoup appris, tant au niveau méthodologie de travail, puis le lycée agricole de Doneva aussi m'a forgé ma personnalité, mon caractère.
Bon, donc, moi, je m'appelle Fabrice Poignidé. Je suis originaire de Poindigné, de la tribu de Wagap, où je suis actuellement petit chef. Moi, j'étais à Doneva en 1991 et 1992. J'ai fait un BEP agricole là-bas, en option agriculture et élevage. Depuis août 2007, je suis technicien forestier pour la province Nord. Je m'occupe essentiellement des projets de reboisement privé, où je fais le montage et le suivi technique, montage des dossiers et suivi technique. Je m'occupe de la réglementation de la chasse. Je délivre également le permis de chasse. Je m'occupe de la gestion des espaces naturels, de la préservation des milieux naturels. À côté de tout cela, je travaille beaucoup en partenariat pour d'autres projets avec des partenaires comme l'IRD, l'IAC, la Société calédonienne d'ornithologie, l'association d'Ayoubik et toutes les associations environnementales. De la promo 1991-92, la plupart de mes camarades sont tous en poste. Je sais qu'on est deux de cette promo-là à travailler à la province Nord. Il y en a un qui est directeur de la SODIC à l'IFU. Il y a un autre qui travaille à la province des îles aussi à l'IFU. Il y a un qui travaille à Nouméa aussi, à Pacific Jardin. Je pense que Doneva nous a fait de nous des hommes. A fait de moi ce que je suis maintenant aussi. À côté de l'éducation de mes parents. C'était une école de respect, solidaire. Ce qu'on a vécu à Doneva, ça m'a beaucoup aidé parce que quand je suis allé en métropole pour suivre ma formation BTS GPL, j'ai fait un sacrifice. J'ai fait un sacrifice parce que j'étais parti sans ma petite famille. Je pense que si je n'étais pas passé par Doneva, je n'aurais pas eu cette force-là que j'ai eue de me sacrifier à cette formation en métropole. Bonjour, moi je m'appelle Abkawa Alban, je viens de Bilipé. Je suis ici à Wailo, à Doneva. Je suis en classe de 3e agricole. J'aime bien Wailo, j'aime bien le lycée de Doneva, on est en dehors des salles. On a des TP sur l'exploitation, puis sur l'exploitation, on a différents projets qui concernent l'agriculture. Puis il y a beaucoup de choses bio que j'ai appris sur Doneva. Bonjour, je m'appelle Karen Thomas, je suis le directeur du lycée agricole privé de Doneva et le gérant de la société civile agricole de Doneva. Cette société est certifiée en agriculture biologique depuis 2011 car elle veut promouvoir et produire de façon durable et de façon écologique l'ensemble de ses productions végétales sur cette exploitation. Les élèves participent donc à l'ensemble de ce processus pour comprendre et plus tard réaliser, j'espère, une installation en agriculture biologique. Fia, fia, fia. La société civile agricole de Doneva est un vrai atout pour le lycée parce qu'elle permet aux élèves de travailler dans des conditions de production et dans des conditions de réalité d'entreprise vu que la SCA c'est à peu près 5 millions de chiffres d'affaires, c'est à peu près 3 tonnes de production qui permet de faire vivre 2 personnes au sein de notre établissement et d'écouler des produits sur l'ensemble des marchés bio calédoniens, mais aussi à l'internat de Doneva. Bonjour, je m'appelle Solia Otoni. Je suis
suis originaire de l'IFU. Je suis arrivé à Donnevoy l'année dernière en classe de CAP et CAP horticole. Et mes semaines de stage, je fais à l'IFU, c'est basé sur la Bani. L'année prochaine, je vais faire un bac pro agricole à Donnevoy. Bonjour, là, je m'appelle Gisèle Foul, je suis de Yengen. Et je viens d'arriver cette année dans le lycée agricole de Donnevoy. Je suis en classe de seconde PVA, production horticole. Si je fais cette course, c'est pour avoir un bac pro et pour devenir technicien agricole. Bonjour, je m'appelle Malo Vincent, je suis originaire de Marais. Je suis arrivé ici en 4e. J'ai fait un peu d'aménagement de l'animal. Ben, l'animal, c'est sur les pouponneuses, les chairs, le porc. Ben, je suis content de venir ici parce que on s'entraide entre nous. Et puis, maintenant, je suis en seconde PVAE, production végétale agroéquipement. On répare les tracteurs, on s'occupe des vergers, on fait du maraîchage et des pépinières.